Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire le Packet Tracer 2.6.6 qui est une activité sur la vérification d'OSPF version 2 en zone unique. Donc ici vous voyez on a un réseau à 3 routeurs comme on est habitué de voir avec des connexions point à point entre les 3 routeurs. On a un LAN ici, un deuxième LAN là, un troisième LAN là. Et vous voyez ici, on a quelque chose de flottant qui est dans le fond un nouveau LAN qui est marqué Branch Office LAN. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ici comme objectif? On a la table d'adressage, bien entendu, un routeur 1 avec 1, 2, 3 interfaces. Ici, il me semble qu'il y a l'air d'avoir une interface de trop. OK. Ici, on a routeur 2. Ici, on a routeur 3. Okay, fait que dans le fond, ici, à mon avis, c'est qu'il y a comme une inversion des numéros d'appareil ici, parce que dans le fond, R2 a 172.16.2.1 ici. Bref, on va faire la lumière là-dessus justement, parce que dans le fond, ce TP-là, c'est identifier et vérifier les états des voisins OSPF, déterminer comment les itinéraires sont appris dans le réseau, expliquer comment l'état voisin est déterminé, bien entendu, examiner les paramètres ID du processus, ajouter un nouveau réseau local, donc ici on va vouloir connecter R4 avec quelque chose quelque part, probablement soit R3 ou S3. Ici, l'autre chose qu'ils nous disent dans les informations, c'est qu'on a un accès complet à l'iOS sur les routeurs R3 et R4, mais on a un accès juste en lecture sur R1 et R2, avec bien entendu un mot de passe et un nom d'usager. Donc, mot de passe, branche 1, 2, 3, 4, nom d'usager, utilisateur, branche admin. On va utiliser pour faire nos vérifications les commandes suivantes, Show IP Interface Brief, pour savoir qu'est-ce qui a été programmé. Ensuite, on va avoir Show IP Route, Show IP Route OSPF, Show IP OSPF Neighbor, savoir nos voisins, Show IP Protocol pour chaque, Show IP OSPF et Show IP OSPF Interface. Donc là, ici, on a plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? On va le faire dans l'ordre. OK. Attendez que STP ait convergé. Vous voyez ici, ça fait déjà 3 minutes que l'activité est partie. Donc, STP a convergé. Là, ils veulent qu'on aille sur R1. OK. Fait qu'ici, je vais aller sur R1. Je vais me connecter en CLI. Et là, vous voyez, comme ils m'ont dit, j'ai un accès limité. Donc, je vais écrire branch admin, ensuite branch 1, 2, 3, 4, et là je suis rentré, et donc ils veulent que je fasse un show IP route. À partir de là, j'ai une suite d'informations qui me dit qu'est-ce qui a été appris par le routeur R1 grâce à OSPF. OK, fait qu'on voit ici dans qu'est-ce qu'il me demande, comment le routeur R1 a-t-il reçu la route par défaut. Donc ici, on voit la route par défaut de R1 et on voit qu'il a été appris avec OSPF, donc c'est un external 2. Donc ici, j'ai une information qui me dit que via 172.16.3.2, j'ai un chemin vers l'Internet. Et bien entendu, la deuxième réponse de qui je l'ai reçu, c'est 172.16.3.2, c'est ce qui est écrit ici. Si on retourne en bleu, en haut, 172.16.3.2, c'est l'interface ici S0 de R2. Donc, on a répondu aux premières questions. L'autre question, comment pouvez-vous filtrer la sortie de Show IP Route pour afficher uniquement les OSPF? C'est en rajoutant ici, vous voyez à la fin, j'ai plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est de filtrer par protocole dynamique de routage. Et ici, je peux faire OSPF et voir que je connais
grâce au SPF, le réseau ici entre R2 et R3, donc j'ai deux chemins pour m'y rendre. J'ai appris comment rejoindre 172.16.2/24 ici. Et ici, j'ai aussi une information sur le réseau de PC3. Ça, c'est ce que j'ai appris via OSPF sur le routeur R1. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? On exécute la commande show IP OSPF neighbor sur R1. Donc, à ce niveau-là, si je la tape, je m'attends à avoir au moins deux neighbors. Donc, R1 devrait voir R2 dans OSPF, okay, et devrait être en mesure de voir aussi R3. Okay, fait que c'est ça qu'on va voir ici. On voit ici que au niveau du routing, okay, au niveau du routage, on est émettre des routeurs ID programmés. Donc, si je fais un show IP protocol, je ne sais pas si ça fonctionne, étant donné qu'on a un accès limité. Ça fonctionne. Donc, on voit que le routeur ID pour le routeur 1 a été mis à 1111. Pour le routeur 2, il doit avoir été mis à 2222. Et pour le routeur 3, 3333. Donc, c'est normal. Étant donné que ça va bien, je vois les deux routeurs 2 et 3 avec leurs adresses. Je les vois apparaître sur S00 et S001. Okay? Donc, à ce niveau-là, j'ai, si je réponds aux questions, j'ai des routeurs R2 et R3 que je vois sur mon routeur 1. Donc, j'ai des adjacency à ce niveau-là. Au niveau des routes, les ID routeurs, ben, on a vu que c'était 222 et 3333. Bien entendu, comme je te dis, dans le fond, au niveau du design du réseau, on a mis de manière explicite. On n'a pas dit on va prendre l'adresse IP la plus haute ou l'adresse loopback la plus haute. On a carrément écrit dans nos commandes routeur ID. Donc ici, on a quelque chose de plus facile à débugger. OK, là, ils disent à l'aide de l'invite de commande sur PC1. OK, fait que là, on est rendu qu'on va tester, comme on a regardé R1, on va vouloir regarder au niveau de PC1 de faire un ping à l'adresse de l'ISP. C'est ça ici qu'il vous demande ici. On va aller sur ISP et là on a la commande à taper ping 64.100.54.5. Ça c'est l'adresse du ISP, routeur ISP 64.100. Et là, bien entendu, on voit un timeout au début, bien entendu, à cause du ARP vers notre routeur R1, et ensuite ça passe. Si je refais le test, on va voir que tous les pings passent, donc les quatre fonctionnent, donc tout est beau. Donc, au niveau de la connectivité vers l'extérieur, PC1 on voit que c'est fonctionnel. Puis on était rendu à ce niveau-là, à l'aide de l'invite de commande sur PC1. Est-ce un succès? Oui. Sinon, effectuer une commande clear. Donc, nous autres, ça a eu un succès. On voit ici que ça a fonctionné. On n'a pas besoin de faire un clear au IP ou SPF. OK. Deuxième chose. Vérifier l'opération OSPF V2 sur R2. OK. Fait, donc, R2, on sait qu'on a un accès limité. Donc, on va aller en mode CLI, comme on a un accès limité. Ils nous ont donné un nom d'usager qui s'appelle Branch Admin avec le mot de passe Branch 1234. Et là, bien entendu, on est rendu dedans. Et là, ils nous demandent plusieurs choses. Utilise la commande Show IP Route. Donc, avec la commande Show IP Route, qu'est-ce que j'ai?
Normalement, je devrais avoir pas mal toutes les informations que j'ai vues dans R1. Étant donné que R1 avait reçu de R2 la route par défaut, donc, et que quand j'ai fait un ping de PC1 vers l'ISP, c'était fonctionnel. Donc, R2 devrait être quand même pas mal fonctionnel à ce niveau-là. On voit ici les interfaces connectées et les choses qui ont été apprises via OSPF. Okay, on voit ici 172.16.1, ce réseau-là. On voit le 192.168.1/24 ici. Et dans le fond, le réseau ici, 0.10.4, j'ai deux chemins, un via R1 et un via R3. Donc, c'est pas mal normal d'avoir toutes ces informations-là apprises. Okay, parce que R2 est déjà au courant de ces quatre interfaces. Il ne connaissait pas le LAN PC1, il ne connaissait pas le LAN PC3, il ne connaissait pas non plus le lien point à point entre R1 et R2. Il les a appris comme ça. Il a appris une route statique ici. Si on fait un show run, est-ce que show run fonctionne? Non, show run ne fonctionne pas. Je vais essayer un show IP protocole. On voit que ça fonctionne. Le routeur ID 2222. J'ai des commandes network vers 16.2.0, vers 16.30, 168.18. Okay? Fait qu'on voit que les trois interfaces internes de R2 sont ici. J'ai un passive interface de ce côté-là. Ça a l'air bien de fonctionner. Ici, on voit que c'est un Boundary Router, un ASRBR, donc qui redistribue les routes externes. Okay, donc, on voit que c'est lui, R2, qui a été programmé pour propager la route. On voit ici dans le Show IP Route que la route par défaut est via le Next Hop ici. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas par interface que la route statique a été mise, mais par Next Hop, okay, donc le saut suivant. Qu'est-ce qu'il nous demandait sur R2 aussi? OK, il nous demandait aussi de faire un show IP OSPF interface G0/0 okay, sur R2. Et là, à partir de là, ben, on voit plusieurs informations. Quel type de réseau est connecté à cette interface-là? On voit que c'est un réseau broadcast. Okay, fait que ça, c'est important dans le output. Les paquets de salutations OSPF sont-ils envoyés par cette interface? Okay. Expliquez votre réponse. Okay. Et là, ben, c'est l'important, c'est vraiment la ligne ici. Vous voyez, ça, c'est la ligne pour les minuteurs 10-10. Mais ici, vous voyez, no Hello Passive Interface. En d'autres mots, je n'envoie pas ici deux paquets Hello sur Gigabit 0-0, plutôt ici de ce côté-là. OK. Dans le fond, pour démêler les deux interfaces, là, vous allez voir, on va faire un show IP interface brief. Okay. Vous voyez que dans le fond, Gigabit 0.0 est vers le 172.16. Fait qu'ici, qu'est-ce qui est vers l'ISP, c'est 0.1. Qu'est-ce qui est à l'interne, c'est 0.0. Il nous demande de faire le show sur 0.0, donc à l'interne, et ici on voit que l'interface a été mise en mode passif. Si je refais la même chose pour G01, vous voyez que dans le fond, OSPF n'est pas enable vers le ISP, et ça c'est normal. OK, donc on a répondu, est-ce que les paquets sont envoyés, et là c'était marqué no hello parce qu'on est en mode passif. Et là on demande à l'invite de commande sur PC2 de faire un ping sur R3. Okay? Donc ici, sur PC2, donc je vais fermer la fenêtre ici R2, je vais ouvrir PC2. Et là, ben, la demande est spécifique, il nous demande S001 de R3. Okay? Fait que je vais aller ici S001 de R3, donc je vais faire ici un copie, donc je vais right-click copie. Et sur PC2, il nous demande,
OK, de faire un ping à cette adresse. Et là, à partir de là, on voit que c'est fonctionnel. OK, donc la connectivité entre PC2 et l'interface ici, point 10, point. Vous voyez ici, j'ai point 10, point 8, donc ici j'ai point 9, puis ici j'ai point 10 comme valeur de host. OK, est-ce que c'est un succès? La réponse est oui. Donc, on a fini de vérifier sur R2. Là, ils veulent qu'on vérifie sur R3. OK. Donc, sur R3, je vais aller au niveau du CLI. Faire un enable. Je vais faire un show IP interface brief. Soit avec ça, ben, je peux vérifier est-ce que mes connexions sont enable. Vous voyez ici, gigabit 0, 192. Ici, présentement, gigabit 01 n'est pas été assigné. Il est down. OK, fait qu'ici, il y a un port gigabit qui n'est pas assigné encore. Mes ports série 192.168.10.6.10.10. Donc, on voit que c'est fonctionnel au niveau de ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Ils veulent qu'on fasse un Show IP Protocol, donc pour voir comment fonctionne OSPF, Show IP Protocol. Et là, on voit bien entendu plusieurs choses. Le Process ID numéro 10 pour OSPF. Le Router ID qui a été configuré à 3.3.3.3. Les sous-réseaux pour lesquels R3 est fonctionnel. Et les informations qui sont reçues par les voisins. Donc, les sources d'informations sont là. Donc, le routeur, routage par quel réseau? Ben là, on a vu ça ici. Exécuter show neighbor, OK. Et là, on veut un show IP OSPF neighbor detail. OK. Fait que là, il y aura beaucoup plus d'informations. Fait qu'on fait show IP OSPF neighbor. Parce que neighbor, tout court, nous donne une petite table. Donc, on voit R1, R2. Si je fais detail, j'ai beaucoup plus d'informations. OK. Sur chaque neighbor. J'ai l'area, j'ai le state, DR ou BDR si ça s'applique, OK, etc., etc. Donc là, on voit un peu plus d'informations sur ça. Donc, pourquoi qu'ils nous demandaient ça? Quelle est la priorité voisine affichée pour les routeurs voisins? OK, fait qu'on voit ici les priorités. Donc, on voit un dead timer, bien entendu, à ce niveau-là, pour ça. Au niveau des informations, on n'a pas de priorité, on voit la priorité 0, bien entendu. Dans le fond, c'est des ports série. OK, fait qu'on n'aura pas de la notion de DR, BDR, d'élection à ce niveau-là. OK, à l'aide de l'invite de commande sur PC3, faites un ping à l'ISP. OK, donc ici, on est rendu que à partir R3 avait l'air bien programmé. Donc, on nous demande okay, de refaire le ping comme on l'a fait à partir de PC2. On demande de faire le ping vers l'ISP. On se rappelle que l'ISP, son adresse est ici. OK, 164. On va faire un copy. On va retourner ici. On va faire un paste. Et à partir de là, on voit qu'il y a une connectivité. Fait que PC3 peut aller à l'extérieur. Okay. PC1 peut aller à l'extérieur. PC2, on n'avait pas fait de test, mais si on fait un ping, on avait juste pingé R3, mais si on fait un ping à l'ISP, ça fonctionne aussi. Fait que nos trois PC peuvent aller vers l'ISP. Est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter un ping de PC1 à PC2? On pourrait rajouter un ping de PC2 à PC3. On pourrait rajouter aussi un ping de PC3 à PC1. On voit qu'ils sont tous réussis avec succès. Donc, on a une connectivité fonctionnelle sur le réseau existant. On va retourner ici en bas. Et là, dans le fond, on demande ajouter le nouveau réseau local des succursales au réseau SPF. On est rendu là. Donc, ici, on a R4. Okay? Donc, on veut aller sur R4, on va faire un show run begin router OSPF. Donc, en d'autres mots, on veut afficher
Est-ce que R4 a déjà un peu de configuration pour se joindre avec OSPF? Donc, si je fais show run, okay, en redirigeant, vers le pipe avec section, section routeur, on peut voir la configuration. La configuration de R4 à date, qu'est-ce qu'il y a? On lui a donné un routeur ID de 4444. Donc, quand il va se connecter quelque part, il va commencer à essayer de se trouver des amis, okay, sur les différents réseaux. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va essayer de propager cette information-là en disant qu'il est routeur 444. Okay? Fait que ça va être plus facile de, au niveau du debug. Ensuite, on a mis une interface Passive Interface Gigabit 001. Ensuite, on a mis deux réseaux. Le réseau .1 et le réseau .11. OK, fait que ça, on va regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. OK, fait qu'on voit ici qu'il y a juste une interface de connecté. Je vais faire un show IP, Interface Brief pour voir c'est quoi qu'il y a de quelle interface. OK, et là, on voit que l'interface Gigabit 000 est bien programmée avec .1, .12, .2 plutôt, .1, .2. Donc, ce réseau-là qui est un slash 24, okay, qui c'est lui non branché. Et on voit ici que Gigabit 001 qui est sur .11, qui s'en va vers l'Access Point, okay, que lui est fonctionnel. Fait que là, on voit up, up, tandis que l'autre qui n'est pas branché, on le voit up, down. Donc, au niveau administratif, il a été mis à up. Il y a eu un no shutdown, mais à cause qu'il n'y a aucun lien Internet, il n'y a aucune communication. À ce niveau-là, donc je vais avoir mes deux réseaux importants. Je vais avoir mon routeur ID. Donc, à date, ça a l'air fonctionnel, okay, au niveau de la config. On retourne à lire ici. Donc, j'ai fait ça. Quelle interface est convoyée? N'a pas envoyé de paquet de mise à jour. L'interface Gigabit 01, c'est elle qui a été mise en passif. Ça, c'est normal. C'est pour ne pas envoyer de paquet vers l'Access Point. Et là, on demande à l'aide du câble Ethernet approprié, connecter l'interface G00 sur le routeur R4 à l'interface G01 sur le commutateur S3. OK. Donc, ici, on veut communiquer. On veut connecter G000 sur le gigabit de S3. Okay, donc ici, on a un DTE vers un DCE. Fait que le câble qui va être nécessaire va être un câble droit. Okay, si on avait connecté DTE, DTE, on aurait mis un crossover. Okay, donc ici, on va y aller avec un câble droit. Je vais prendre un câble droit. Je vais aller de G000 vers G01 ici. À partir de là, vous voyez, j'ai un link-up. Donc, quand je vais faire Show IP Interface Brief, on voit que je suis rendu à up-up. Le down est disparu. Je suis rendu avec un up. Donc là, ça, c'est fonctionnel. Et là, bien entendu, il nous demande, faites un Show IP OSPF Neighbor pour vérifier que le routeur R4 est maintenant adjacent au routeur R3. La réponse, je pourrais toujours le dire tout de suite, parce que ici, j'ai juste eu un syslog pour que l'interface soit up. Je n'ai pas reçu de syslog disant que l'adjacency était passée de loading à full. Okay? Donc ici, ah, vous voyez, je viens de le recevoir. Donc ici, il y a une communication avec R3. Okay? Fait que ça c'est bon. J'ai une communication. Donc, je peux répondre que dans le fond, le neighbor a été trouvé. Donc, si je fais un show IP OSPF neighbor, on voit que j'ai un ami. Okay? Donc, j'ai une adjacency 3.3.3 et c'est le DR, okay, sur le réseau ici, puisque dans le fond, c'est un réseau Ethernet, donc multi-accès. Et si je fais la même chose ici, Show IP OSPF Interface Gigabit, c'est l'interface Gigabit 000. Donc, je fais 000. Et là, on voit
Brief, bien entendu. Excusez. On voit à ce niveau-là, je fais un swipe interface plutôt comme ça. Brief. OK, on voit que je suis DR BDR. Fait que je refais les deux commandes, swipe OSPF neighbor. Donc on voit que je suis connecté. Et si je fais la même chose ici, on voit que j'ai deux interfaces. Donc sur gigabit 000 qui est branché sur le lien ici, donc le routeur 3 est le DR et moi je suis le BDR. Sur l'autre segment ici en bas, c'est moi le DR parce que je suis unique. OK, donc ici, ça a l'air fonctionnel. L'autre chose qu'on peut faire ici, je devrais, au niveau des routes, je devrais être rendu fonctionnel. OK? En d'autres mots, mon laptop, pour qu'il soit capable de rejoindre l'ISP, il faut que j'aille les bonnes routes dans R4. Donc, je vais faire un show IP route pour voir qu'est-ce qui a été appris au niveau des routes. Et là, ben, on voit que routeur 4 a pris 1, 2, 3, 4. Donc, si je refais la même commande en rajoutant OSPF, on peut voir que j'ai appris des informations sur 172.16.1 qui est ici, donc le LAN du PC1. J'ai appris des informations sur le LAN de PC2. J'ai appris des informations sur le lien entre R1 et R2 ici. On voit ici le 172.16.3. J'ai appris des liens sur le 192.168.10.4 et 10.8 ici. Et en plus, ben, R3 me propageait la route par défaut. On voit ici l'étoile. OK. Via R3, là j'ai l'information pour transporter mes informations vers l'extérieur. Et là, ben, on peut faire le test ultime. Est-ce que je suis capable de faire un ping à 64.100.54.5? OK. Pour voir est-ce que je suis capable de rejoindre l'extérieur. Et la réponse est oui. R4 est capable de rejoindre l'ISP, est-ce que le laptop aussi? OK, fait qu'on peut arriver ici au niveau du laptop et faire le même test. Est-ce que au niveau du laptop qui est connecté au branch office via un access point et on lui aussi maintenant est capable d'aller vers l'extérieur? OK, fait que là on a connecté. Pourquoi l'état du routeur est-il différent de l'état de R1 et R4? OK. Au niveau de la convergence, etc. Utilise l'invité de commande sur l'ordinateur portable. Faire un ping à l'adresse du PC2. OK, donc on peut rajouter laptop à PC2 et on voit que c'est fonctionnel. Donc, en résumé, on a fait le tour des routeurs et on a vu est-ce que les routeurs étaient en connaissance de grosses de tous les interfaces. Fait que dans les problèmes qu'on aurait pu voir, c'est que R1 n'aurait pas eu toutes les commandes de network pour ces trois réseaux. Même chose pour R2 ici. Okay? Même chose pour R3. Okay? Donc, on a fait la vérification des trois routeurs pour voir si le réseau était fonctionnel. Ensuite, on a rajouté un nouveau réseau. On a vérifié que R4 était bien programmé pour ces deux sous-réseaux en faisant la commande show IP protocole. OK, on a vu routing. On a vu qu'on avait un passive interface avec un routeur ID. À partir de là, partout sur le réseau, OK, je vais aller sur R3, partout sur le réseau, j'ai la même, étant donné que c'est bien fonctionnel, j'ai la même information. On se rappelle que je peux faire show IP IP OSPF database. OK, puis là, j'ai plusieurs choix. Je peux faire un summary et là, je peux voir le sommaire de la base de données. Je peux faire, dans le fond,
voir les bases de données pour toutes les informations. Et vous voyez que si je fais la même commande, je vais avoir les mêmes informations. Qu'est-ce que 1 me donne? Okay, donc ici, c'est des descripteurs de database. Qu'est-ce que 1 me donne? Qu'est-ce que 2 me donne? Qu'est-ce que 3 me donne? Qu'est-ce que 4 me donne? Okay, fait que j'ai toutes les informations sur mes link state, les informations de lien d'état. Okay, et bien entendu, j'ai aussi mon information pour la route de défaut. J'espère que ça vous a permis de voir un peu comment utiliser les commandes suivantes pour être capable de diagnostiquer un réseau OSPF. Merci beaucoup. À la prochaine.